Salut à tous, c'est Feroda, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Le week-end commence et j'avais envie de vous faire un petit tutoriel pour vous expliquer comment bien filmer votre écran, que ce soit sur les jeux ou sur votre bureau. Donc pour ça, je vais utiliser 4 logiciels payants dont vous pouvez avoir la version gratuite. Mais ça sera une version de 30 jours d'essai. Je pourrais aussi vous mettre le lien des cracks dans la description. Bon, faut éviter de craquer, que je le répéterai à toutes mes vidéos, faut pas craquer ni télécharger, c'est mal. Donc je vais vous expliquer à peu près le but de chaque logiciel, les avantages, les inconvénients, et je vais vous faire à la fin un petit classement. Donc là en ce moment je filme avec Mirrorless Action, donc c'est celui-là, l'icône rouge. Donc comme quasiment tous les logiciels, à part Camtasia Studio, il vous faudra les droits administrateurs pour lancer le logiciel. Si je lance le logiciel, il est déjà lancé. Hop, voilà. Donc quand on lance le logiciel, normalement vous n'avez pas ça avec... là c'est parce que je record. Vous arrivez sur une fenêtre. Et pour moi c'est le logiciel le plus complet. Si vous pouvez choisir le format de sortie de fichier, donc ça c'est normal, la dimension de la vidéo, les FPS. Bon, les FPS sont pas élevés, c'est 60 FPS, c'est pas énorme. Pour faire des ralentis, des fois, faut le faire quoi. Donc là, on a l'abonnement, on peut modifier le son, on peut modifier la sortie du son, on peut modifier le microphone. Et puis après, dans les réglages généraux, on peut modifier la balance des sons. Par exemple, si je veux entendre plus la musique que mon micro, bah j'ai juste à modifier ça. Hop, on va prendre musique. Et là du coup ça va comment dire, le son système, par exemple si je passe de la musique, on va plus l'entendre que mon micro. Donc je vais remettre à peu près comme c'était. Donc on peut vraiment tout changer, il y a les raccourcis, bas le raccourci, la TH, les dimensions de la, enfin la vidéo en elle-même. Donc perso honnêtement ce logiciel je le trouve très complet. Les vidéos sont lourdes, ça c'est le principe, c'est l'inconvénient. Les vidéos sont assez lourdes à la fin, par exemple je sais que pour faire une vidéo de 5 minutes faut compter 1,5 giga. Donc voilà, faut prévoir de la place sur son disque dur. Le deuxième logiciel que je vais vous présenter, je vous ferai une démonstration après de ce que ça fait, c'est PlayClo 3. Donc vous avez peut-être déjà vu des vidéos du style des vidéos sur YouTube. Les gens qui filmaient par exemple MW3 en HD, c'était super fluide et tout, vous vous demandiez comment ils faisaient. Bah c'est sûrement grâce à PlayClo, c'est le meilleur, pour moi c'est le meilleur outil de recording dans le jeu en fait. Il utilise la puissance du jeu pour filmer. Donc quand on le lance, on va arriver sur une petite fenêtre qui va, on va dire que c'est les settings, voilà, les réglages. Donc là vous avez la licence, donc je l'ai craqué. Ouais, je sais, je dis que c'est pas bien de craquer et je craque quand même, cherchez pas. Donc là vous avez l'interface, et là le logiciel il marchera pas, faut que vous lanciez un jeu. Je vous ferai la démonstration après. Faut que vous lanciez un jeu pour pouvoir filmer avec ce logiciel. Bon, je reviendrai après dessus. Vous avez Camtasia Studio, donc le 8. Donc j'ai aussi craqué, je vous montrerai pas comment. Petit inconvénient, cette version est que en anglais. N'est pas en française. Bon, c'est le petit point négatif, on va dire, de la chose que je trouve dommage. L'avantage c'est qu'il les vidéos sont en poids, sont raisonnables, on va dire, très raisonnables. Et il y a la petite interface de montage vidéo qu'on peut faire, le petit montage de vidéo à 2 balles là. Donc c'est, on va dire que c'est l'équivalent de Movie Maker, pour être gentil. Donc ce logiciel est très complet, et il filme la partie de l'écran. Donc vous pouvez sélectionner la taille de votre recording, qu'on peut faire aussi avec Mirrorless Action que je vous ai pas montré. Et le seul problème c'est que les vidéos sont plus assurées, on va dire. Avec Mirrorless, vous voyez la souris est à peu près fluide. Avec Camtasia ça va faire des petits arrêts. C'est le FPS qui veut ça. On n'y peut rien. Donc je vais fermer. Et là le plus connu, sûrement le plus connu et le plus utilisé, c'est Fraps. Donc Fraps, je vois pas qui a la version payante de Fraps. Donc vous pouvez l'exécuter. Il vous faut le droit administrateur. Donc là vous arrivez sur la fenêtre connue, je dirais. Donc vous avez FPS, Movie et Screenshot. Donc le FPS général,
c'est les réglages du démarrage en général et du logiciel lui-même. Ça, c'est les FPS, donc vous pouvez choisir, vous pouvez cocher si vous voulez des FPS dans la vidéo movie. Vous pouvez choisir le nombre d'FPS que vous voulez. Là, la sortie vidéo de votre recording, la qualité, ce full size ou half size, et screenshots. Le seul inconvénient avec ce logiciel, c'est qu'il prend énormément de, comment dire, de ressources système, il bouffe vraiment énormément. Donc si vous n'avez pas une bête de course avec au moins je sais pas 3 gigas de RAM pour un seul jeu, ne filmez pas, ça va laguer à mort, c'est assez horrible. Donc je vais vous faire une petite démonstration de Fraps et de PlayClaw. Ouais, c'est ça, on se retrouve juste après. Et voilà, donc là je filme avec Fraps, donc comme vous pouvez le voir c'est assez fluide, mais c'est parce que les graphismes sont pas élevés. Et puis c'est un jeu qui supporte assez bien le recording, donc je vous conseille, si c'est un gros jeu du style MW3, Black Ops 2, les gros jeux, franchement les très gros jeux, qui nécessitent une énorme performance du système, attendez d'avoir un ordinateur plus puissant, ou alors fermez vraiment énormément de logiciels pour libérer de la place. Voilà, c'est juste ça que j'ai à dire. Voilà. Et voilà, donc là je filme avec PlayClaw, donc ça prend pas mal de ressources. Et là je suis qu'à 45 FPS, peut-être que je baisse les graphismes. Oh, c'est déjà mieux. Donc voilà, et ce jeu, enfin ce logiciel est intéressant parce que quand on appuie sur F6, on arrive l'option, donc c'est assez pratique. Et voilà, le logiciel est dans le jeu, inclus dans le jeu, donc c'est assez. Donc voilà, donc là je filme avec Camtasia Studio, donc c'est un voilà, donc ça lag plus, et puis sur la vidéo ça fera des petites hachures. Donc perso c'est pas le logiciel que je vous conseille, certains l'aiment énormément, moi je suis pas très fan. Personnellement je vous conseille Mirilis Action, c'est un logiciel payant, j'avais fait un crack dessus mais on me l'a retiré de YouTube, donc je n'en referai pas, mais je vous conseille quand même Mirilis, c'est quand même le plus complet et le plus, comment dire, c'est le plus stable. C'est voilà. Donc nous revoilà, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, je ferai un classement, donc c'est mon classement personnel. Donc en premier c'est Action Mirilis, en deuxième c'est Fraps, en troisième c'est PlayClaw, et en quatrième c'est Camtasia Studio. Après il y a plein de logiciels en plus qui sont gratuits, mais on peut, les logiciels gratuits, il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est Cam Studio. C'est très très faible, franchement c'est très très faible pour filmer un jeu. Et il y a, je sais plus comment il s'appelle, il y a un logiciel aussi que je n'ai pas présenté parce que j'ai pas trouvé de crack, je sais plus comment il s'appelle. C'est l'équivalent de Action, c'est l'équivalent, c'est le rival en fait. Donc maintenant je vais juste comparer la taille des vidéos. Donc celle-là, c'est celle avec Camtasia Studio, elle fait 322 mégas. Et elle fait 37 secondes de durée. Alors celle-là c'est laquelle, voilà, donc celle-là c'est la première des vidéos que j'ai faite, c'est avec Action, et elle fait 663 mégas pour 6 minutes 1, sachant que je suis en HD. Donc voilà, donc pour 37 vous avez pour Camtasia, pour 37 secondes vous avez 300 mégas, alors que pour 6 minutes avec Action vous avez 600 mégas. Voilà. Et du coup après je n'arrive plus à me souvenir. Attends, c'est du kiff hein, 57 secondes. Ouais, celle-là on sait pas. Il me semble que celle-là, voilà, cette vidéo-là c'est Fraps. Donc la vidéo dure 57 secondes et elle fait 758 mégas. C'est énorme, c'est... Voilà, vous imaginez, vous faites une vidéo de un quart d'heure, une demi-heure. Et puis après vous avez les vidéos super spéciales. Par exemple, spécial 1000 abonnés, je vais faire une vidéo de plusieurs heures.
Là, c'est plusieurs dizaines de gigas, plusieurs même centaines de gigas qu'il faut prévoir. Et celle-là, c'est celle avec PlayCloud. Donc la vidéo fait 782 mégas, donc c'est le fichier le plus lourd que j'ai recording. Mais je n'ai pas la durée exacte, donc je vais juste voir combien peut durer. Voilà, donc là, 44 secondes. Donc pour 44 secondes, elle fait 782 mégas. Donc voilà, donc je vous conseille Mirelis, mais après ce n'est qu'un avis personnel, hein, vous faites ce que vous voulez. Bon, c'était Ferroda, j'espère que ça vous aura plu. Je suis en collaboration, j'ai déjà dit dans mon ancienne vidéo, dans ma précédente vidéo, excusez-moi, avec Let's Play Fun. Donc abonnez-vous à la chaîne, c'est là-dessus que je vais poster maintenant. J'avais dit aussi dans ma vidéo précédente sur l'enregistrement de son via Audacity que ma prochaine vidéo serait un tuto pour craquer MW3 en payant, en solo et multijoueur. Le seul problème, c'est que j'ai un problème au multijoueur et tant qu'il n'est pas résolu, je préfère pas faire de vidéo. Voilà, abonnez-vous et partagez la vidéo, ça ferait super plaisir. Allez, salut!